I went online and I bought one Bitcoin last night. Really? It's the future. I don't know. It didn't feel real. No. Real's gonna change. Just watch. What is Bitcoin? What backs a Bitcoin? You put some of your money, real money, online, and it turns into Bitcoin. Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Avec la mise en réseau de tous les ordinateurs, nos vies seraient numérisées, réduites à une somme de données qu'il suffirait de collecter, d'additionner. Chaque mot, chaque geste, chaque transaction. Internet perdait peu à peu son statut de fenêtre sur le monde pour devenir un outil de contrôle. Une nouvelle économie naissait. Nous en serions la matière première. Le nouveau monde bousculait tout. Nos échanges, nos droits, notre vie privée. Préserver sa vie privée à l'ère de l'exposition de soi, c'est un acte révolutionnaire. Peu importe que vous ayez quelque chose à cacher, une affaire privée, c'est ce qu'on ne veut pas que le monde entier sache. Un secret, c'est ce qu'on ne veut pas que quiconque sache. La vie privée, c'est la liberté de choisir ce qu'on dévoile au monde. La liberté. With the growth of the Internet, it became necessary for everyone to have access to strong encryption. Cryptography is the art of scrambling information to make it unintelligible, except to those that have the right key to unscramble it. So governments form their opinion about cryptography as a consequence of how pivotal it was to the outcome of World War II. The government regarded it as a munition and restricted its export. The cypherpunks, a group of activists in the San Francisco Bay Area, were quite interested in promoting strong encryption. Pour nous, les cypherpunks, la liberté n'est pas négociable. Nous la plaçons au-dessus de tout. C'est pour elle qu'on se bat. En 93, dans son manifeste, Eric Hughes avait déjà tout dit. À l'ère électronique et dans une société ouverte, la vie privée est indispensable. Nous ne pouvons attendre des gouvernements, entreprises ou toute autre entité géante et sans visage qu'ils nous accordent gracieusement les moyens de préserver notre vie privée. Les cypherpunks écrivent du code. Nous savons que quelqu'un doit élaborer les logiciels pour protéger la vie privée et nous allons nous en charger. They believe that true human expression is really only possible when you can protect your anonymity. And out of this movement came many attempts to recreate various fundamental institutions of society using the complex mathematics of cryptographic systems. So things like voting systems, digital communication systems that enabled very strong privacy. The cypherpunks were a group of individuals who felt that cryptography could enable new human freedom. That freedom to communicate and the freedom to send money. And there were many different versions or ideas behind like digital cash. I've got to send something for my mom's birthday. I'll then book plane tickets for our trip next week and my kids got to go to the library to look up dinosaurs. Hey, we can take care of all that before we go. Yeah, right. Oh, with America Online. America Online can do all that? If you can control people's money, you can control every aspect of their life. If you can surveil people's money, then you know everything you need to know about them. How about sending your mom some nice flowers? All you do is click on Marketplace, we place an order. And it's so easy. All you do is point, click. America Online, a new way to use your computer to communicate, have fun, and get instant news and information. Un immense supermarché virtuel. Voilà le web qu'on nous promettait. Pour nous,
échanger représentait tout autre chose. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait une forme de défiance aussi vis-à-vis du système financier traditionnel. Ça faisait des décennies que certains acteurs travaillaient aussi sur des monnaies pair à pair, puisque avec Internet, bon, c'est super, on démocratise l'information, mais on n'avait pas vraiment cette monnaie qui allait avec Internet, qui serait une monnaie mondiale, universelle, qui ne dépende pas d'une banque centrale. Donc c'est vrai qu'il y avait, un manque. Celui qui contrôle les échanges contrôle la liberté. Puisqu'Internet devenait une immense interface d'achat, il lui fallait son cash, et vite, anonyme, infalsifiable, sans intermédiaire. Mais un obstacle nous barrait la route, un obstacle qui m'obsédait. La double dépense. The double spending problem is this idea that digital information is easy to copy. And if you have a form of digital money, how can you keep track of that money and make sure it's only spent once? Now, with physical paper money, when you give it to someone, you no longer have it. But in the digital realm, you can give someone a copy of something digital, a perfect copy that is indistinguishable from the original, and still keep the original. Now there are two copies. What if you then give it to someone else again? Sur Internet, tout est reproductible à l'infini. Résoudre le problème de la double dépense, c'était trouver le moyen d'empêcher la contrefaçon sur les réseaux, de rendre le copier-coller obsolète en son royaume. Sans ça, pas de commerce possible. En inventant l'unicité numérique, je serai le Gutenberg d'Internet. C'était technologiquement très complexe à résoudre, donc ça a mis des décennies pour arriver. Bitcoin, c'est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs passionnés et aussi d'un mouvement idéologique libertarien, cypherpunk derrière. These are the individuals who had built precursors to Bitcoin, but these precursors hadn't been successful. If you think of Bitcoin as a new species of money, these species died on the operating table. They never really made it out of the lab. And so with the cypherpunks, wanted to create a digital cash, but they had no idea how money worked. They knew how cryptography worked, but they had very poor understanding of economics, monetary policy, and money. Satoshi did. À des moments, la solution me semblait proche. À d'autres, je désespérais. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. What started in America last year has now spread to every part of the world. Autour de moi, le monde de la finance s'écroulait. Leurs instruments, leurs règles, la création monétaire. Une fiction. Un tissu de mensonges, d'algorithmes opaques, de codeurs sous-traitants. L'opposé de ce que moi j'étais en train de créer depuis un an et demi. Un monde mathématique, ordonné, universel, ouvert. Le code de Bitcoin me hantait jour et nuit. Lehman Brothers had just collapsed. There had been massive bailouts. It was a huge, huge, super stressful time period in the world. Et puis un jour, c'est arrivé. Ça marchait. La double dépense pulvérisée par la cryptographie. Transparence absolue. Anonymat préservé. Bitcoin était prêt. Satoshi first shared the Bitcoin white paper with the cryptographer mailing list, which was comprised of the cypherpunks. October 31st, 2008 is when he releases the white paper. And Satoshi waited for that exact moment because it sounded like he had completed Bitcoin a little bit before that and was waiting for the peak moment of despair in the financial markets to press the send button. A technical scientific paper that described in just over 8 pages in beautiful detail, very concisely, very clearly, the primary technical ideas of Bitcoin. The first people that heard about Bitcoin typically scoffed at it. They thought it was a joke or they didn't think it was going to work. A few months later, he released the code. In the Genesis block, he has a headline from the Times, UK Chancellor on the verge of second bailout for banks. So he's very much, this is a very aggressive stance, anti-banking, anti-central banking, anti-government. In his writings, he goes, the core root of the problem with money is it requires trust to make it all work. We must trust the banks. We must trust the merchant processors. We must trust the central banks. And he goes, with Bitcoin, we remove that needed element of trust. Bitcoin's network wasn't in a state of too much testing for that long of a time. It was in a state of like
very active development and in production. Cypherpunks write code. That isn't just enough to talk about it, you have to go implement it. And Satoshi very much fit that, where he goes, okay, I'm gonna go make this happen. I'm gonna go release this to the world. I like the idea of writing software and releasing it, and the software changes the facts on the ground. It's politically easier to bring about these changes if the software is already deployed. It makes it harder to make the software illegal if it's available everywhere. Le programme était lancé. J'avais gagné une bataille contre les banques, contre les États. Le Bitcoin ouvrait la possibilité de nouveaux échanges. Qu'est-ce que les gens allaient en faire? The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities. Tout allait changer. Le manifeste Cypherpunk. Une mise en garde. À l'aube du monde numérique, nos échanges perdaient la dimension directe et privée qu'ils avaient toujours eue. Il nous fallait une issue. Une porte qui ouvrirait sur un autre monde. Moi, Satoshi, je l'avais codé, cette porte. Bitcoin. Les premiers à en franchir le seuil seraient ceux qui défiaient le système. Et ceux qui avaient le plus besoin d'anonymat. À ses débuts, le programme réclamait beaucoup d'attention. J'avais quelques alliés, mais le terrain était miné. Une poignée d'apôtres ne fait pas une armée. Bitcoin restait une proie facile. Bitcoin certainly wasn't 100% perfect right off the bat. There were a few bugs, few flaws. From a network perspective, it very easily could have been crushed by, you know, a really motivated attacker. But luckily, that didn't happen. I think most people dismissed Bitcoin, and governments included, dismissed Bitcoin as silly money for a long time, and most governments still do. Comment attribuer de la valeur à une nouvelle monnaie? Dans un premier temps, à son coût de revient, $1 pour 1500 Bitcoin. La confiance suivrait. Late 2010, 2011, there was a few OTC markets where people would essentially on the forums be like, hey, I'm selling 10,000 Bitcoin, and someone go, cool, I'll buy it for $10. C'est pas devenu une monnaie du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est même pas évident qu'on puisse dire aujourd'hui que c'est une monnaie. De mon point de vue, c'est plutôt une monnaie en devenir. Pas parce que l'État, à un moment donné, dit, voilà, ça c'est une monnaie, mais parce que, tout simplement, de plus en plus de gens décident de l'utiliser comme monnaie. Laszlo put out a message on the forums, the Bitcoin Talk forum, and said, hey, I'd like to buy a pizza for 10,000 Bitcoin. And someone said, sure, well, send me your address and I'll send you a pizza and then you can send me the Bitcoin. Le tout premier achat, deux pizzas. Pas de drogue, pas d'armes. On pouvait utiliser le Bitcoin comme une monnaie banale, quotidienne et autonome, sans nécessité de garantie extérieure. That was the first ever paid Bitcoin transaction, supposedly the first ever transaction for value. a very expensive pizza. Sur quoi repose une monnaie? Elle repose sur la confiance de ses utilisateurs. Et la question, c'est sur quoi repose cette confiance? Pour les monnaies actuelles, les monnaies étatiques, on a confiance dans ces monnaies parce que ces monnaies sont émises par l'État, on peut payer nos impôts dans cette monnaie et l'État garantit une forme de monopole de ces monnaies sur le territoire national. Et là, on a cet objet nouveau, complètement inédit, qui nous oblige à nous réinterroger sur ce que c'est que la monnaie. To understand Bitcoin, you have to first question why governments exist, why they have control over money, what is the origins of money, and then you also must understand, like, why this current system is broken, why fiat money and why government money is broken, why are they allowed to print trillions of dollars during COVID? You know, what gives them the right to do that? You're born into the system where you're not supposed to question it. And this is requiring you, kind of like in the Matrix, when you wake up from the system, you have to wake up from
the matrix and try to understand all of these components of why your reality isn't working. Julian Assange, the founder of WikiLeaks, has been put on Interpol's most wanted list. Tonight in Britain, Julian Assange is awaiting arrest by British police. But the WikiLeaks founder remains defiant, suggesting the U.S. is out to kill him. Tonight, Assange isn't relenting, suggesting that if anything happens to him, all the remaining secret cables will be released to the world at once. Les États ont vite fait d'investir le numérique, de l'envahir de leur violence, du machiavélisme de leurs intérêts. WikiLeaks allait apprendre qu'on ne s'attaque pas frontalement aux secrets des puissants. Ce que j'ai appris, moi, du destin d'Assange, c'est qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir et des précautions drastiques à prendre en toutes circonstances. Different governments around the world pressured PayPal and Visa and other payment providers to censor their transactions because WikiLeaks was deemed dangerous for leaking information. So WikiLeaks turned to Bitcoin, which is permissionless, as a way to accept donations. And I think that was another really cool testament to Bitcoin's resiliency and use case of permissionless money. No one can take that money away from you and no one can stop it from being sent to you. Il aurait été bon d'attirer l'attention d'une autre manière. WikiLeaks a donné un grand coup dans la ruche et les saints se dirigent vers nous. Le coup de projecteur était énorme et prématuré. You know, Satoshi had created this new money and he was very much worried that they were kicking the hornet's nest, is how he put it, at too early of a stage in the project and that they may not survive a government attack. He also, I think, close to that time, started to question if he should be part of the project. And so Satoshi eventually disappeared. Le Bitcoin devenait la monnaie de ceux qui avaient le plus besoin de rester dans l'ombre. You can get anything on the internet nowadays. Cars, homes, and now, black tar heroin. This is Silk Road, the anonymous marketplace. On the main page, they proudly and openly sell LSD, marijuana, and ecstasy. Bitcoin is this thing that has no political bias. So it's this truly free, permissionless network for storing and moving value. Un anonymat garanti et un business très rentable, un supermarché de la drogue, où les internautes payaient grâce à une monnaie virtuelle. C'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Le registre qui gère ces transactions en Bitcoin, donc la blockchain, c'est un registre qui est transparent, qui est accessible à tous. S'il y a un mandat judiciaire pour savoir ce que vous avez fait parce qu'il y a des soupçons d'activité illicite, l'État pourra aller voir les plateformes que vous avez utilisées, comme il peut aller voir les banques, pour leur demander votre identité et pouvoir retracer votre parcours financier. Le monde virtuel ne constitue pas un monde parallèle, séparé d'une autre. Au contraire, il y est étroitement lié. Chacune de vos actions numériques a un impact sur le monde réel. Donc là, on voit que ça a l'air d'être un stéréo player à 70$. Mais à l'intérieur, du papier bulle est bien caché un revolver 38 spécial, l'arme achetée sur le site. You know, it was a huge revelation to me that it could survive something even for an illegal use case, which meant that its protocol must be really, really robust and sound. This is before I completely understood how it all worked. Je n'avais pas créé le Bitcoin pour protéger les criminels, mais pour rendre les transactions autonomes, libres. Et voilà que Silk Road portait le cours vers un sommet, $30 le Bitcoin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre mes distances. Plus de postes publics, quelques mails privés avec les développeurs de Bitcoin. J'oriente, je conseille, ça s'arrête là. Why did Satoshi disappear? I remember he disappeared after Gavin Anderson came back and said, hey, I just had a meeting with the CIA. They wanted to talk to me about what Bitcoin is. En avril 2011, je reçois un mail de Gavin Anderson, l'un de mes développeurs. Il a accepté une invitation de la CIA pour parler du Bitcoin. Satoshi never wrote an email ever again. That was it. Gavin ne savait rien de moi. Rien de rien. J'ai quand même coupé net. Je ne voulais prendre aucun risque. Je savais qu'il ferait tout pour me retrouver. Mais il n'y arriverait pas.
À ce stade, le programme n'avait plus besoin de moi. Il était assez solide pour se déployer et remplir sa fonction, quels qu'en soient les usages. I was a little bit surprised that it happened so soon. I would have thought that he takes a bit more leadership in the project. I think Satoshi understood, and this is why he stayed pseudonymous. He knew that if there was a human behind the project, that that would always be a weakness. Le fait qu'il n'y ait pas de responsable identifié fait que Bitcoin est un peu moins vulnérable. Il n'y a personne qu'on peut aller poursuivre, attaquer, mettre en prison, condamner parce qu'il a créé Bitcoin et parce qu'il aurait encore un pouvoir sur Bitcoin. En fait, plus personne n'a de pouvoir sur Bitcoin, même le créateur de Bitcoin. People would look at that individual's flaws and project it onto Bitcoin. Also, they may try to convince him politically to insert new types of code or something. So he stepped away. And so he knew that if the pressure, if Bitcoin was going to become a thing, that he needed to take himself out of the equation to protect Bitcoin. After an intensive two-year investigation, the FBI arrested Ross William Ulbricht, a San Francisco resident in a public library. And the alleged digital drug lord, if convicted, is facing life in jail. Finalement, de Satoshi, on ne sait rien sauf ce qu'il a écrit. We know that he's an English speaker. He uses some UK spellings for words, but he only does it twice. We know what times he posted on the Bitcoin Talk forum, what time zone he may live in. Chaque fois qu'il est question de savoir si quelqu'un est Satoshi, on dit non mais Satoshi ne devrait pas être comme ci, ne devrait pas être comme ça. D'abord, un, vous ne savez pas qui c'est. Deux, si c'est un génie, il est forcément un peu farfelu. C'est pas un monsieur tout le monde. Et trois, il a pu changer. That's the extent of our knowledge. I'm not in Bitcoin. But your address in Bitcoin. I don't know anything about it. 64-year-old Dorian Satoshi Nakamoto emerged from his Southern California home Thursday and walked right into a media frenzy, hours after Newsweek magazine claimed he was the mystery man behind Bitcoin. J'avais tout fait pour que le Bitcoin fonctionne en toute autonomie. Sans moi, Satoshi, son créateur, sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code. Elle s'incarnerait dans le réseau. Dans mon silence, le Bitcoin s'épanouissait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante des machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable. Chercher à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien. Yes, I was around in those times, but I was very annoyed with the Newsweek research. What Newsweek did is they found a guy named Satoshi Nakamoto, and they're like, we found him. I'm not in Bitcoin. But your address in Bitcoin, I don't know anything about it. Satoshi wouldn't have chosen his real name. And so they were literally looking for a John Doe, found John Doe and said that that was Satoshi. It's very poor journalism because they went to his home, they kind of harassed this guy. And so he was put in, under the spotlight, and he was just a very quiet dude. He didn't really want to be found. So it was a very uncomfortable position for him and very unethical on Newsweek's part. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. When the first transaction occurred,
which was 9 days into the Bitcoin blockchain, Satoshi Nakamoto signed some amount of Bitcoin that they had mined and sent it to an address that we know belonged to Hal Finney, a computer scientist who was one of the first people interested in Bitcoin and communicating with Satoshi Nakamoto. Hal had built reusable proof of work. He had kind of built some of the key components that enabled Bitcoin to be successful. Satoshi was asking for help in terms of people needed to help him get it all built and help mine it and kind of incept it. And so Hal and Satoshi worked together, and Satoshi sent him the first ever Bitcoin transaction. Un système libre, c'est un système autonome. Ça, Hal l'avait compris. Le Bitcoin ne constitue pas qu'une simple monnaie d'usage numérique, mais un moyen de s'organiser en toute indépendance. Il y a une intuition qui est révolutionnaire, c'est d'avoir décidé par un acte proprement souverain que on allait faire payer le coût d'entretien du système en le rémunérant avec la monnaie du système. Bitcoin, c'est le nouvel or. De l'or numérique. Comme l'or, la quantité de Bitcoin est limitée. Comme l'or, plus il y a de chercheurs, plus il est difficile d'en trouver. What's mining? It's a big question, you know. It's an industry and it's a bit of a philosophy also, but most of all, it's like the cornerstone of Bitcoin technology. It's a currency system, right? So in the currency system, you either own currency or you're sending it. That's pretty much all you do with currency, right? And how you would usually build that into a computer system is that you have a database. And this database lists like who owns how much money. And when someone wants to send money, you just change the database. But if you want to do it in a decentralized way, like Bitcoin does it, all the participants in the Bitcoin ecosystem store a copy of the same database. And when someone wants to make a transaction, which is to change the database, then he has to coordinate with everyone else to make sure that everyone agrees that this is a kind of okay thing to do. Il est plus difficile de pirater 20 000 ou 100 000 ordinateurs, si on veut modifier ce registre, que pirater un ordinateur bancaire. Si moi je décide de vous envoyer un bitcoin, je vais faire une transaction, et cette transaction elle va être mise dans une sorte de groupe de transactions. Derrière, il y a des acteurs de la communauté qu'on appelle des mineurs, qui vont piocher dans ce groupe de transactions en attente, et qui vont constituer un bloc. Et ensuite, ces mineurs vont tous être en compétition, les uns avec les autres, pour valider ce bloc de transactions. The network kind of creates a very complex mathematical riddle that someone has to solve in order to progress the blockchain, to create a new block in the blockchain. Et on n'a pas d'autre choix que de tester toutes les combinaisons possibles. À pile ou face, ça veut dire sortir à peu près 90 fois pile de suite. Alors vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas de votre vie. Ça veut dire qu'il faut le faire des milliards, de milliards, de milliards de fois. Bon, ça ne veut pas dire que le problème soit compliqué, c'est que c'est onéreux en matériel et en énergie. Et il y en a un qui va réussir plus vite que les autres, qui va gagner cette compétition, qui va donc gagner des bitcoins, c'est comme ça qu'il est encouragé à faire ça. Et il va dire aux autres, voilà, regardez, j'ai réussi la compétition, les autres vont dire, ok, bravo, c'est toi qui valide le bloc. Ce bloc va être ajouté au registre. Et à ce moment-là, la transaction va être considérée comme validée. Et donc, vous aurez reçu le bitcoin que je vous ai envoyé. La blockchain bitcoin, c'est la blockchain qui répertorie toutes les transactions faites dans bitcoin. Et elle répertorie ces transactions depuis l'origine. La blockchain, c'est quelque chose qui existe avant Bitcoin. C'est une très vieille idée qui est que si chaque information est liée à l'information précédente et qu'on est en mesure de remonter la chaîne, ça a une certaine solidité. Moi, je dis parfois, ceux qui l'ont inventé, c'est les marchands d'art. Puisque depuis le XVIe siècle, vous avez des tableaux, on sait qu'ils sont sortis de l'atelier de Rubens, qu'ils ont été achetés par Monsieur Machin, qu'il a revendu à l'évêque ceci, que c'est rentré dans tel musée. Ce qui fait que certains tableaux, on peut les tracer de façon assez certaine sur un siècle ou deux. Plus le temps passe, plus une transaction se cristallise sous les strates de celles qui suivent. Pour la modifier, il faudrait les modifier toutes, et sur des milliers d'ordinateurs. Pas infaillible, mais presque. Ce système du minage est extrêmement important pour
contribuer à sécuriser le système. Personne ne dépensera cette consommation d'électricité s'il n'est pas certain que toutes les transactions du bloc sur lequel il travaille sont légitimes. Parce que s'il le faisait, ce bloc serait rejeté par l'ensemble du réseau et il aurait donc perdu cet effort, cette dépense monétaire, financière et énergétique qu'il a consenti. I trust the Bitcoin system, but I don't trust my neighbors and I don't trust the miners and I don't trust the transactions that I see and I don't trust the blocks that I see. I verify everything, or rather, my computer does. And because everybody's verifying everybody and because nobody trusts anybody, we can all trust the ultimate result because it's being checked by so many thousands of computers, because it's so difficult to tell a lie on the Bitcoin network. La valeur du Bitcoin est garantie par quelque chose de bien plus solide que l'étalon or. Le Bitcoin ne dépend de personne. Il repose sur tous ses participants. Pas de banque centrale, mais un registre partagé par tous, transparent, inattaquable. Un logiciel largement dispersé devient inarrêtable, imprenable. Une citadelle. Donc ça demande beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que les mineurs aujourd'hui investissent dans des machines spécifiques, dans des cartes graphiques, dans des serveurs, etc. People are worried that Bitcoin mining is using too many natural resources and is polluting the environment disproportionately. Of course they're right, sure, it's using power, of course. It's not a free resource. But we have to see it not only as a cost, but we have to see it as an investment. We're, let's say, spending all this power and energy on Bitcoin, what are we getting? People are not yet en masse seeing the, let's say, the kind of philosophy behind it, this cypherpunk kind of idea, you know? The idea of owning your data, the idea of being decentralized, being decoupled from the banks to revolutionize our old systems and bring it back in the hands of the people. All these great ideas. People think that if you go like the cheap way and the easy way, then you'll use coal power. And if you invest more money and you do the more responsible thing, then you'll go for green power. And actually, coal power is not so cheap, which isn't so surprising, right? You have to dig it out of the ground, you have to burn it. Meanwhile, with renewable energies like hydropower and wind, you make a big infrastructure investment for a hydro dam, yes, sure, but then the power is free for hundreds of years. Défendre la vie privée a un coût, et ce coût est énorme. Les détracteurs des monnaies numériques font semblant de ne pas voir que la planète paie le prix du monde électronique. Nos actions virtuelles impriment sur le réel une marque indélébile, celle de la pollution numérique. Et je ne parle pas que de mon programme. Une part non négligeable de nos existences se déroule en ligne. Le Bitcoin est aussi utile, voire davantage, que les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming. Et il est là pour rester. Cherchons à l'améliorer. I think Hal Finney actually would have anticipated what we're seeing now. And you can see in like those emails that are public, that were between him and Satoshi, talking about the carbon footprint, talking about more and more like miners kind of becoming professional miners. All of these things, I think, were talked about in the first days of Bitcoin being published. And it's just a mirror of how things actually happen. Hal had a degenerative motor neuron disease. He only had a few years left to live. And so after he found that out, you know, he spent a lot of his time still working on Bitcoin, but eventually died. He's cryopreserved at Alcor, which means he's frozen. So yeah, Hal unfortunately died in our modern clinical term of death. But, you know, there's still a small chance he might come back later. He was a dear friend, and I was... I think the world has lost a kind, humanitarian, talented software engineer and cryptographer. L'impact du monde numérique sur nos civilisations s'avérait colossal. Nous vivions en direct l'avènement d'une société nouvelle, aux organisations différentes, qui aurait forcément besoin de sa monnaie, sans frontières, inarrêtable, autonome et donc libre, le Bitcoin. Une mécanique de précision à toute épreuve. Ah, juste un détail. Comme l'or, le Bitcoin allait rendre les gens fous. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you? Yes.
J'ai créé le Bitcoin, moi, Satoshi, et j'ai miné le tout premier. Au début du programme, j'ai amassé plus d'un million de Bitcoin. Sur le papier, me voilà milliardaire depuis 2013. Milliardaire. Riche d'une fortune dont le commun des mortels ne peut que rêver. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a que ça qui vous intéresse, pas vrai? On finit toujours par vouer un culte à nos moyens d'échange. Le Bitcoin n'allait pas y couper. That was a pretty wild year because from the start of the year to the end of the year, Bitcoin went from $10 to $1,000, which is a 100-fold return. In January 2013, there was only a dozen of us who would show up to the Bitcoin meetup in San Francisco. And then in March, when the price hit $260, there was 100 people. And it was just crazy, and there was VCs handing out business cards. And we were like, oh, but this Bitcoin thing is becoming real. Ma disparition a complètement libéré la créature. La valeur du Bitcoin devenait hors de contrôle. Sur les plateformes d'échange, le jeu de l'offre et de la demande en faisait un objet de spéculation hyper volatile. Un jour, vous pouviez vous acheter une pizza. Le lendemain, une voiture de sport. Un peu instable pour une monnaie. People talked about Bitcoin to the US Congress. There's a lot of companies that raised money to go build products and services. Bitcoin hitting $1,000 really blew people's minds that this was like a new technology, a new valuable money. Of course, it's growing, right? More and more people are hearing about it. The philosophy behind it, owning your own data and being against the banks. La confiance s'érode de plus en plus. Et plus elle s'érode, et plus elle alimente l'intérêt pour d'autres formes de monnaie, plus aptes à garder de la valeur que les monnaies étatiques. Dont Bitcoin, bien sûr. J'avais décidé dès le début que le Bitcoin serait une ressource finie, rare. L'émission de Bitcoin prévue à l'avance diminue avec le temps. Un jour, elle cessera totalement. Nos monnaies classiques, elles peuvent être émises de manière discrétionnaire par les banques centrales, sans limite, sans contrôle de la population, sans contrôle démocratique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Quel est le sens, quel est l'intérêt de continuer à payer des impôts, par exemple, alors qu'on peut créer de la monnaie sans limite? Satoshi's brilliance was in the monetary policy. He invented, you know, pure digital scarcity with Bitcoin's 21 million hard cap. There will only be 21 million, there will never be more. Et donc, les bitcoins existants auront plus de chances de conserver de la valeur, voire d'en prendre, ce qui est en train de se passer, plutôt que de voir leur valeur diminuer dans le temps. Le Bitcoin faisait ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens. Apparemment, il ne pouvait pas y avoir d'or numérique sans ruer vers l'or. Il y a quelques mois, il jette un vieux disque dur sans penser qu'il y avait stocké les données nécessaires pour accéder à un petit trésor. S'il ne valait pas grand-chose quand il les a acquis en 2009, les 7500 bitcoins de James Howells représentent aujourd'hui 5,5 millions d'euros. To get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. So a Bitcoin wallet is the analogy of your bank account, but you're in control of it yourself. You can hold the password, the private key, yourself, not share it with anyone else, but you can share other people like a view access, which is like the public key. And you can give everyone this view access to like show how much coins you have or to allow them to transact with you, but not your private key, which you use to actually unlock your wallet to send funds. And what's cool about that is no one else in the world can get to your Bitcoin unless they have that private key, which is both a good and a bad thing. If you lose your private key or you forget the password that encrypts your private key, well, it's lost for all eternity. And that's the thing, right? In a decentralized system, there's no central entity that you have to trust to make it work. It's got pros and cons. There's also no one that you can write an email to. There's no support service that can, like, help you. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. Je n'ai pas créé le Bitcoin pour que vous deveniez millionnaire, mais pour inventer une monnaie numérique libérée des intermédiaires. Pourtant, tout ce qu'on retenait de mon invention, c'est qu'elle faisait et défaisait des fortunes.
Et donc, c'est un des gars les plus riches au monde, anonyme. Riche en bitcoin, riche de ma propre monnaie, d'une fortune dont je ne pouvais pas profiter sous peine de détruire la confiance que j'avais mis tant de temps, tant d'énergie à construire. Il y a un grand mystère, puisque le premier million environ de bitcoin qui ont été minés n'ont pas bougé depuis le début. Which is insane. For, you know, for someone to build this massively valuable thing and not touch the money is a modern day Prometheus, a modern day saint, if you will. C'est un contexte incroyable de romans, de films, en fait, tout ce qu'on veut. Ce million me brûlait les doigts. Utilisé habilement, il pouvait me permettre de contrôler la valeur du bitcoin par un jeu de vente et de rachat calculé, d'en faire une monnaie stable, de regagner l'influence que j'avais été forcé d'abandonner si vite. I don't think Satoshi's just going to move his Bitcoin and say YOLO. Oh, I'm just going to move it and see what happens. What he can do is he can sign with his private key, he can sign a message letting everyone know that he is and what he will be doing with it. It is the only way that if you are Satoshi to verify that you are Satoshi. Ce million de Bitcoin constituait aussi pour moi l'unique moyen de prouver que j'étais bien Satoshi. Y toucher et me dévoiler allait de pair, immanquablement. Était-il temps? So I'm going to do this once and once only. I'm going to come in front of that camera once. Craig Wright's confession could end years of speculation about a person who until now has gone by the name of Satoshi Nakamoto. And I will never, ever be on a camera ever again for any TV station or any media, ever. To support his claim, the Australian entrepreneur demonstrated he had access to blocks of bitcoins known to have been created in the early days of the digital cash system. I'm about to demonstrate a signing of a message with the public key that is associated with the first transaction ever done on Bitcoin. J'ai préparé la réunion avant la démonstration avec quelqu'un qui, lui, assistait à la démonstration. Et cette démonstration, c'était un cryptologue, hein, était faite pour convaincre des journalistes, mais pas pour un cryptologue. Et donc, ça a foiré. L'opportunisme ne connaît pas de limite. Le goût de la gloire, vanité. L'anonymat est le prix de ma liberté. Anyone who claims to be the inventor of Bitcoin is lying. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. Maybe I should rephrase that. There have been some that claim to be the inventor of Bitcoin, but they're not. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration. They're absolutely, positively not the inventor of Bitcoin. Mon absence avait engendré une figure puissante autour de laquelle gravitaient les égos et les imaginaires. Tout l'inverse de ce que j'avais souhaité en m'effaçant. Le Bitcoin devait conserver son autonomie et la confiance des gens, à tout prix. Je devais me forcer à ne pas interférer malgré la volatilité du cours. Mon million resterait là où il est. Dans les coulisses, une foule d'imposteurs attendait de prendre ma place. Ils copiaient-collaient le code de Bitcoin et les crypto-monnaies proliféraient. À chacune son prétexte. Micro-paiement, confidentialité, automatisation des transactions. La demande pour une nouvelle forme d'argent explosait. Elle allait entrer dans une dimension encore plus délirante. J'étais devenu l'observateur impuissant de ma propre invention. Moi, Satoshi. Le Bitcoin n'échappait pas au culte de l'argent, aux imposteurs, aux apostats. Et je ne pouvais rien y faire. Ma création. Un nouveau mécanisme d'échange décentralisé dont tout le monde disposait librement. Même le système se l'appropriait. Ce système que j'avais toujours combattu. Celui qui parasite les rêves,
qui avait brisé Internet. Parti d'un idéal, j'allais me retrouver face à ce que le capitalisme produit de plus monstrueux. People are looking at Bitcoin, seeing how it's exploding in price, and they think, oh, you know, I really missed out on this one. But I should have bought in. And then they're looking for the next best opportunity to invest in something else, to hopefully have the same price increase as with Bitcoin. And ready for those guys are the altcoins. Plus rapide, plus anonyme, moins énergivore. Tout le monde voulait recréer le Bitcoin, mais en mieux. Et au passage répliquer l'ascension vertigineuse de son cours. Début 2018, la capitalisation totale des crypto-monnaies s'élevait à 800 milliards de dollars. 800 milliards. Avec mon million de bitcoins, je faisais une entrée fracassante dans le top 50 des personnalités les plus fortunées du monde. 44e fortune mondiale. Virtuelle. In 2017... And previously to that, in 2014, we also saw the emergence of many other competing systems that are trying to capture the magic of this idea and either are genuinely trying to make new things with it or, in many cases, are fraudulently trying to capture the enthusiasm without any substance. On ne peut pas faire des milliers de transactions par seconde sur Bitcoin. Et on ne peut pas programmer les transactions d'une manière très sophistiquée. Donc les autres crypto-monnaies ont essayé d'améliorer ces aspects de leur côté. Simplement, elles ont dû faire des concessions en termes de niveau de sécurité, en termes de complexité, parce qu'on ne peut jamais gagner sur tous les tableaux. This was like everyone was creating their own altcoin, launching it, you know, lots of different mining algorithms being thought of, and everyone had their own coins. J'avais appris aux gens à battre monnaie, et ils ne s'en privaient pas. Les promesses d'enrichissement immédiat pullulaient, d'innombrables projets inutiles voyaient le jour. Certains avaient même inventé un système de levée de fonds en crypto-monnaie pour créer de nouvelles crypto-monnaies. Une ICO, donc Initial Coin Offering, c'est une levée de fonds. C'est un peu comme du crowdfunding, si vous voulez, mais sur la blockchain et en crypto-monnaie. En 2014, j'ai participé à une ICO, celle d'Ethereum. Eh bien, Ethereum, vous donniez un bitcoin, qui à l'époque valait 200 euros, vous donniez un bitcoin pour obtenir 2000 Ethers. At that time, it was the ICO bubble, and any startup that wasn't achieving financial success immediately was looking at pivoting, including my own. We weren't going to get more funding from the VCs, and the CEO decided to pivot to do an ICO. And so I brought up with her concerns about the model of, hey, why do we need a token here? And then I quit. Plein d'entrepreneurs se sont dit, ah bah, j'arrive pas à lever des fonds de manière classique, je vais aller lever des fonds en ICO. Sauf qu'évidemment, ça marche pas comme ça. L'ICO, ça peut pas être un plan B. Parce qu'on n'arrive pas à lever des fonds de manière classique. Les projets souvent qui ont très bien marché avec des ICO, c'est des projets qui créent un produit blockchain ou crypto et qui vont créer une nouvelle crypto-monnaie. By the end of 2017, like all of a sudden, every single person worked in blockchain. Like they were like, yes, my company pivoted. Yes, I just joined a new company. Okay, I'm a designer for a new protocol. Like I was so confused. It was such a surreal experience for me. Because I was like, wait, just a few months ago, like, I was asking people, what is this thing? And nobody knew. Une blockchain, à la base, c'est simplement une base de données, un grand registre qui va répertorier les transactions faites dans une crypto-monnaie. La blockchain, en soi, c'est pas tellement révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'idée de consensus décentralisé. Pas de consensus sans confiance. La caractéristique principale de toute monnaie. Avec Bitcoin, cette confiance, je l'avais décentralisée, incarnée dans un programme à toute épreuve. Si j'avais réussi à rendre la monnaie autonome, à la désintermédier, pourquoi ne pas le faire avec tout? Immobilier, assurance, finance. Le potentiel de mon invention semblait infini.
finding systems that decentralize trust and that actually remove the need for trust, because you can verify you don't need to trust anymore. This is amazingly powerful. And with a bit of understanding of the philosophy behind the blockchains and what they can actually provide, you can really see how a blockchain is an incredibly powerful base layer for many other potential applications in the future. La blockchain, ah, même pas le rouage le plus innovant de Bitcoin. Une chaîne de blocs sans décentralisation, sans minage, est peu de chose. Je n'avais jamais vu un tel emballement pour un simple terme technique. Il y a eu une hype médiatique autour des blockchains en 2015, 2016, 2017, et du coup beaucoup de gens se sont fait une image un peu fausse de ces technologies. Startups had an incentive to put the word blockchain in their fundraising deck because then they could raise twice as much money. Big corporate companies like IBM, Deloitte, these massive consultancies, they were incentivized to use the word blockchain because you could sprinkle it on your company strategy. And so when anyone asked, what is your strategy for innovation? It was one word, blockchain. No one knew what it meant. Everybody is so excited about blockchain that they kind of lose their minds. If you have a bicycle shop and you rename the bicycle shop the blockchain bicycle shop, then your stock goes up in price, right? Better yet, you can also sprinkle some AI, a bit of quantum, and you've got half the startup field out there. You can say our AI quantum blockchain does something, but you still haven't solved anything interesting. Évidemment, le terme blockchain n'a pas été promu par hasard. Il a été promu aussi en raison du caractère dérangeant et sulfureux de Bitcoin. Comme si Bitcoin représentait un tabou et qu'on avait besoin de trouver un autre thème pour parler de cette révolution en cours. In reality, when you try to apply blockchain technology to other things, you realize how intricate and how woven together all the components of a blockchain are. You can't just take out a piece, you can't just take out an engine and just hope that you can use that to go somewhere. The killer app for blockchain is cryptocurrencies. When you combine blockchain with proof of work, you get Bitcoin. Celui qui achevait la vie privée sur Internet. Le destructeur de monde. The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message. Lui aussi voulait en être. De plus en plus de corporations privées adoptent les technologies blockchain, comme par exemple Facebook avec son projet Diem, ex Libra. Libra will be a global payment system, fully backed by a reserve of cash and highly liquid assets. Facebook connaît un peu trop de choses à notre propos, que ce soit en termes de centre d'intérêt, notre réseau, nos connexions avec nos proches, professionnels, etc. L'Internet des données personnelles avait été bâti sur une imposture. Celle que l'exposition de soi serait gratuite et le resterait toujours. Now, I believe that this is something that needs to get built, but I get that I'm not the ideal messenger for this right now. Si Facebook se dote de sa monnaie, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui tient du financier va également être connu par Facebook. Donc on va également partager notre activité financière. L'utilisateur moyen paye le web au prix fort. Il abdique sa vie privée, sa liberté, son indépendance pour une dose régulière de narcissisme. And I feel blessed to be in a position where we can make a difference in people's lives. And for as long as I'm here, I am committed to using our position to push for big ideas that I believe can help empower people. Redonner le pouvoir aux gens. Le cynisme connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. En donnant au monde des armes pour qu'il protège sa vie privée, j'avais aussi fourni des outils à ceux qui s'accaparaient nos données personnelles. Ceux qui, assoiffés de puissance, se servaient de l'argent comme d'un outil de domination absolue. L'effondrement de la vie privée n'intervient pas brusquement. Il s'annonce par signes successifs jusqu'au point de bascule. Et nous y étions presque. Après l'entreprise la plus puissante du monde, l'État ayant le plus de velléité de contrôle sur nos vies, allait se mettre à frapper sa monnaie à coups de 0 et de 1. China's central bank is now introducing its own digital currency in a pilot program that will be first instituted across just 4 cities. This is a digital currency. It sounds a lot like
cryptocurrency like Bitcoin. Is it or is it different? It only sounds like it in every other way, other than being a digital currency. It's nothing like cryptocurrency. It's more like Facebook's Libra, because that's also not a cryptocurrency. Nous, les cypherpunks, nous avions prophétisé le chaos. Un avenir sans vie privée. Un enfer. En réponse, moi, Satoshi, j'avais créé le Bitcoin. La toute première crypto-monnaie décentralisée, autonome et sans intermédiaire. L'opposé de ce que proposait la plus grande multinationale du web. Il y a deux grandes menaces à la vie privée. Les géants d'Internet et les États. Eux aussi accéléraient leur projet de monnaie numérique de banque centrale, émise contre des dettes toujours aussi centralisées. Rien de vraiment nouveau. Ah si, quand même, une différence. En se numérisant, le cash allait perdre une caractéristique fondamentale, l'anonymat. Les données personnelles aujourd'hui, ça a énormément de valeur, mais peu de gens en sont conscients. On utilise des applications, on interagit, on like, on tweet, on partage, on poste. Et pour autant, on ne gagne rien financièrement, alors que les entreprises qui fournissent ces plateformes s'enrichissent grâce à ça. C'est un grand hold-up, plus ou moins silencieux. There are more than a billion people around the world who don't have access to a bank account, but could through mobile phones if the right system existed. Ça, c'est super pour ces applications qui vont pouvoir apprendre encore mieux à nous connaître, nous proposer plus de services, vendre et générer du profit avec ça. Mais en plus de ça, ils ont une intime compréhension de qui nous sommes. There's a reason that we care about this. And that's because Facebook is about putting power in people's hands. Avec une monnaie centralisée, stable, adossée à des monnaies gouvernementales, Facebook n'allait pas révolutionner les échanges. Non, juste les monétiser. La suite logique du plus grand casse que l'humanité ait jamais subi. Le pire était encore à venir. On voit que les GAFA ont envie d'avoir leur crypto-monnaie, ce qui va aussi améliorer leur pouvoir sur les gens, sur l'économie, sur la vie des individus. Et puis on voit des entités comme les États, et notamment des États totalitaires, être tentés d'avoir leur propre crypto-monnaie pour améliorer leur contrôle sur la vie privée des gens et leur contrôle sur l'économie. Et d'ailleurs, les tentations des États démocratiques, européens, d'émettre leur propre monnaie digitale, c'est un petit peu pour la même chose quand même. Pas de manière totalitaire comme en Chine, mais il y a quand même une logique similaire. Un moyen de paiement qui est en train de prendre de l'importance en Europe et qui, depuis un long moment, est très très important en Asie et notamment en Chine, c'est le téléphone mobile. En Occident, on a d'un côté Facebook, WhatsApp, ses comptes bancaires, ses abonnements à des journaux. Le modèle chinois, c'est d'avoir mis tout ensemble. Et tout ensemble dans un pays qui respecte très peu les libertés individuelles, comme on le sait. Ce qui veut dire, très concrètement, un accès à l'ensemble de la vie des personnes qui est rendu possible par le fait que tout est dématérialisé, donc tout laisse une trace électronique. Ces traces électroniques sont transformées, entre autres, dans ce que les Chinois appellent un score social, qui est une note fabriquée à partir de toute une série de comportements que ces applications mettent ensemble, notamment les comportements d'achat, mais pas seulement. Et ce score social a des effets très concrets sur votre vie de consommateur. Certaines choses vont vous coûter plus cher que d'autres. Vous allez arriver à l'aéroport et on va vous dire « Ah non, vous êtes interdit de monter dans l'avion parce que vous n'avez pas payé une amende ou autre ». Donc là, on voit vraiment un risque très important sur la vie privée, sur les libertés individuelles, si ces outils techniques sont utilisés à des fins de surveillance. Leur puissance se construit au prix de vos libertés, de votre vie privée. Une monnaie numérique d'État ultra centralisée, opaque, traçable, qui se servirait de vos données contre vous. Exactement ce que nous, les cypherpunks, avions craint. Le cauchemar, c'est une chose d'anticiper la fin de la vie privée, c'en est une autre de la vivre.
What's surprising isn't that China is building a totalitarian financial surveillance system. They are a totalitarian society. What is surprising is that European authorities and American authorities and Japanese authorities are also considering, and in some cases gleefully anticipating, the eradication of cash and the ability to do surveillance and control of all financial payments from every point to every point. Le totalitarisme des nations se mesurait maintenant à l'aune du degré d'avancement de leur monnaie numérique. Car une transaction électronique reste une transaction traçable, dangereuse pour la vie privée. Et donc le moyen de s'en sortir, c'est de commencer petit à petit à adopter des applications qui sont open source, des applications qui sont respectueuses de la vie privée, des applications qui sont transparentes. Open source technology means that the software itself is composed of codes that can be openly inspected by everyone and in a collaborative and public fashion that is very, very transparent. That's something really beautiful. In addition to being open source, Bitcoin has this collaborative development system. In Bitcoin, what we're aiming to do is have a decentralized decision-making system so that it's a community that decides, okay, what goes in? What changes get made? What shouldn't we do, etc. And anybody can participate. Anybody can propose what they think is good changes. That said, it is a very specific, complex piece of technology. So the people you are working with, collaborating with, and in some cases even competing with, are world-class cryptographers, world-class software engineers at the top of their game. La disparition de Satoshi Nakamoto fait qu'il n'y a aucune figure d'autorité, aucune figure centrale vers laquelle on peut se retourner en cas de problème ou pour prendre des décisions difficiles. Ça crée une indépendance et une valeur pour le réseau Bitcoin que d'autres protocoles n'ont pas puisqu'on connaît leur fondateur. We don't know if Satoshi Nakamoto is a name by one person or if it's the name of a group of people working together. Connaissant le processus d'imagination, surtout dans ces domaines-là, il faut une discussion. C'est aussi un élément interne. Il faut avoir un débat et il faut aussi avoir une stratégie. Comment est-ce qu'on va lancer ça, etc. There seems to be a strong voice that comes through clearly in the communications of Satoshi Nakamoto, and there may have been other people doing other aspects, like, for example, writing software, which also has a very strong personality to it, writing the white paper, which has a slightly different personality to it. Peut-être que c'est possible qu'il y ait un petit génie qui a imaginé ça, mais c'est plus vu de l'extérieur et vu l'expérimentation. L'œuvre d'un petit groupe très déterminé et compétent. Je n'ai rien à voir avec l'image que vous vous êtes fait de moi. Rien. Par touche, j'ai dessiné un portrait déformé et flou, aux antipodes de ce que je suis en réalité. J'ai 40, 50, 60 ans. Je suis une femme, un homme, une intelligence artificielle. J'ai agi seul, à plusieurs. Quelle importance ? Le Bitcoin est collectif par essence. La suite logique de plusieurs dizaines d'années de recherches faites par d'autres que moi. Bitcoin a été codé à 10, à 100, à 1000 claviers. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'il grandit. Il y a 12 ans, Bitcoin, c'était quelques personnes autour d'un white paper qui lancent un protocole. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est des milliers de nœuds, des mineurs, des centaines de milliers de personnes, voire des millions qui possèdent du Bitcoin, et surtout aujourd'hui des entreprises qui investissent dans Bitcoin. Donc le chemin parcouru est immense, et surtout ce qu'on voit, c'est que ça accélère. What we're talking about this year is serious investors adopting Bitcoin. We're seeing big banks coming out saying officially that Bitcoin should be part of a portfolio.
That's big news, you know, that's actually very serious. We've got private companies buying very large amounts of bitcoins, like hundreds of millions or billions of dollars worth of bitcoin, and calling it an investment into the future. I think the next hype is going to be finally more consumer adoption. It's already money. It already works. You can use it. If Bitcoin is to succeed, we might see this play out during our lifetime, but it should last far, far beyond. Let me assure you, this thing has not yet happened. Right now, it's difficult to use, it's complicated, it's understood by a tiny fraction of the human population, and it will change the world. Le Bitcoin est apatride, mais il a son armée d'ordinateurs, de développeurs, de mineurs, d'utilisateurs. Ne cherchez pas à couper les têtes de l'hydre. Il y en a trop et elle repousserait toujours. Et puis, comment feriez-vous disparaître les milliards qui circulent sur notre chaîne? La disparition de Satoshi, c'est finalement la dernière touche à l'œuvre de Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin, si Satoshi Nakamoto existait et qu'on connaissait son identité, bah, il n'aurait pas le potentiel et l'impact qu'il a actuellement et qu'il aura dans l'avenir. C'est un petit peu comme la touche finale sur une œuvre d'art. There are people who essentially worship Satoshi. And if Satoshi wasn't anonymous, then they would be worshiping an individual who, no matter what that individual said or did, would be disproportionately influential in this project. So I think it's brilliant and powerful that Satoshi stayed anonymous. En termes de symbole, le fait qu'il y ait une sorte de quête du père, qui est un créateur un peu divin, ça contribue à créer une forme de mythologie, de mythe de Bitcoin. Or, les mythes ont une utilité pour donner du corps aux choses, et notamment pour une chose aussi virtuelle. Although in my heart, I would love to know. I in my brain, I really hope we never find out who this individual or group of individuals was. Aujourd'hui, je ne suis pas loin, sous une autre forme, un autre alias. Je code toujours pour protéger la vie privée. C'est ce que font les cypherpunks. Le Bitcoin s'étend de plus en plus, inévitablement. C'est une monnaie, mais aussi un actif financier, une réserve de valeur et un outil spéculatif. Vous croyez le saisir, il vous échappe. Moi, Satoshi, j'ai juste voulu créer une alternative aux banques, aux États, aux entreprises géantes et sans visage. La liberté se doit d'être conquise et reconquise sans relâche. C'est pour elle qu'on se bat.